What's up guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog super cozy dans mon nouveau petit hoodie que j'ai reçu de Girl Crush. Il est tellement doux puis confortable, j'en reviens pas comment je suis bien, puis j'aime tellement tous les petits détails de Girl Crush là, genre leur petit logo ici là. Genre je vois vraiment tout le travail qu'ils mettent dans leur business puis je suis comme queens. Et bien sûr, je me suis fait un bon petit matcha latte glacé à la pêche de Davetiti et c'est sincèrement rendu une addiction. C'est comme mon préféré. Celui à la vanille, j'avais eu vraiment un gros coup de cœur, mais là je pense que celui à la pêche est vraiment comme topé parce que c'est comme super frais. Puis on dirait que c'est justement le mélange du goût de matcha avec un de mes thés préférés à la pêche que je faisais tout le temps à Davetiti. Fait que c'est comme mélanger les deux meilleurs mondes ensemble. J'adore ça. Mais c'est ça, si vous commencez à être dans la game du matcha, là, même que moi je trouve que je suis vraiment en retard, là, genre j'aurais dû connaître ça avant. Pour commencer, là, tous les matchas comme aromatisés de Davetiti sont vraiment bons. L'autre qu'on m'a suggéré d'ailleurs, c'est lui au bleuet, mais celui-là je l'ai pas. Jusqu'à maintenant, comme je dis, lui à la vanille, aux pêches, c'est vraiment mes préférés. J'ai essayé noix de coco, mais celui-là il est vraiment comme pas sucré. Ça goûte beaucoup le matcha, puis je pense que je suis pas encore rendue là, mais ça laisse comme un petit goût derrière, un peu de noix de coco grillée quasiment. C'est quand même bon, c'est juste que je suis pas rendue là encore dans la game de matcha. J'aime vraiment goûter les autres saveurs pour que ça soit un petit peu sucré. Puis en passant, je vous parle de Davetiti, je suis pas sponsorisée, mais j'ai reçu un gros colis de leur part. Davetiti, j'ai toujours vraiment adoré leurs produits. Que là, ils m'en aient envoyé pour juste tester, là, j'étais tellement contente, là. C'est comme dans ma liste de goals de compagnie que je voulais soit travailler avec eux ou recevoir de leurs produits pour juste en tester plus. Fait que je suis vraiment, vraiment grateful. Puis ça, c'est grâce à vous. En tout cas, pourquoi je vous dis tout ça, là? J'avais bien de la jasette. Ce matin, à 9h, j'avais un rendez-vous de laser pour la région bikini puis sous les bras. C'est la seule région en fait là, que je fais au laser. Puis je suis pas mal dans mes derniers rendez-vous. Fait que là, ça fait plus très comme désagréable, je dirais. Là. Pas que ça fait mal, c'est juste que ça fait vraiment comme des chocs, d'épaissement beaucoup plus intenses. Parce que là, mettons, où est-ce que vous avez plus de poils ou c'est juste genre un petit duvet tout doux, là, ben le laser, il va pas comme pogner ces poils-là parce qu'ils sont pas assez foncés. Mais où est-ce qu'ils sont encore forts, ça va genre full pincer, là, parce que vous voulez pas, si vous faites des traitements de d'épilation au laser, là, vous savez un peu comment ça fonctionne, là. Mais pour ceux qui savent pas, tu sais, à chaque rendez-vous, elle augmente d'intensité, puis elle va selon ton poil aussi. Si plus les rendez-vous avancent, plus ils sont fins, moins ça va faire mal, mais plus ça va faire mal sur ceux qui sont encore foncés, parce qu'il faut vraiment qu'ils meurent. Fait que ça peut être vraiment désagréable, mais de prendre deux Advil avant, ça l'aide vraiment à faire moins mal. Essayez de mettre vos rendez-vous aussi dans votre horaire pour que vous soyez pas dans votre semaine, parce que là, c'est sûr, vous allez être encore plus sensible. Mais je dois être rendue environ mon 8e ou 9e rendez-vous, je pense. Ça va bien, j'ai presque plus rien en dessous des aisselles. Tout mon bikini, là, le devant, là, c'est comme... c'est vraiment beau, j'ai une peau comme super lisse, puis ça, j'ai jamais eu ça de ma vie, là. Puis moi, je suis vraiment sujette à faire beaucoup, beaucoup de poils incarnés, fait que ça me faisait toujours beaucoup de boutons rouges. Des boutons, des fois, qui pouvaient vraiment pas être le fun, puis pas cute non plus. Parce que mon poil, moi, il pousse pas droit, là, il prise un peu, fait qu'à chaque fois, il rentrait dans la peau, fait que ça faisait des poils incarnés. Donc si vous avez le même struggle, je vous comprends, c'est tellement tellement pas nice. J'en fais vraiment partout sur mon corps où est-ce que j'ai du poil. Genre comme sur le menton, je peux avoir des petits poils incarnés. Sur mes bras, vu que j'ai fait à la cire, toutes mes jambes. Sinon aussi, je fais tout un peu l'intérieur de la fesse. Et, ça, c'était comme la zone là, que j'étais le plus complexée parce que moi, je pouvais pas porter des maillots que moindrement, tu sais, ça, c'était plus comme un maillot brésilien, là, mettons. Là. Parce qu'on voyait comme tous les petits boutons là, de poils incarnés. Là, fait que c'est vraiment pas nice. Puis j'ai vraiment quand même un poil fort. Je suis très poilue. Tu sais, souvent, vous parlez à quel point j'ai une belle crinière. Puis je suis chanceuse d'avoir des sourcils, des longs cils, mais comme c'est pas juste là que j'ai du poil. Là. Genre si j'en ai autant tout ici, ça veut dire que j'en ai vraiment partout. Là. Genre j'ai une moustache, j'ai un poil de menton, j'ai même des poils ici là, que c'est plus en duvet, là, mais mettons qu'au soleil, là, des fois mon chum il est là puis il fait ça. Je suis toute pas bien, je suis comme hey! Puis lui il trouve juste ça drôle, mais comme tellement poilu. Fait que bref, c'est rare que vous voyez vraiment les close-ups de ma face, puis je pense pas que vous allez vraiment voir parce que c'est... genre, moi, je suis gênée de ça, là, quand même. Je veux juste dire, ça va bien mes rendez-vous. Puis là, ce matin, justement, vu qu'on était rendu au 8-9e, elle m'a demandé de pas me raser pour savoir quelle zone il restait des poils et tout. Puis les zones étaient vraiment plus petites, puis ça a full fait de progrès, puis elle était vraiment contente. Puis moi aussi, je suis vraiment contente que ça fonctionne. Ça a été un long processus, mais on y est presque. Elle me disait qu'il restait peut-être un ou deux rendez-vous, puis ça serait fini. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Comme je vous dis, les poils incarnés, là, ça a genre vraiment diminué vu qu'il y a plus de poils qui pousse là dans le fond. Puis c'est ça, je voulais juste donner une très longue update avec plein d'explications de parenthèses, mais
Voilà. Je vous conseille vraiment ça si vous avez des complexes avec les poils, vous avez des zones que vous êtes juste plus capable. Tu sais, comme moi, il y a plein d'autres zones sur mon corps que je suis pas capable de me tolérer, mais bikini, c'était vraiment quelque chose de complexant. Parce que c'est plus une zone comme intime, si je peux dire. Fait que d'aller à la plage, d'aller au spa, d'aller à la piscine, d'aller chez une amie puis qu'il y a un petit rassemblement, j'étais pas capable de me mettre en maillot, d'être à l'aise à cause de ça parce que je regardais toutes mes amies puis il y avait pas une amie qui avait autant de rougeur dans la section bikini. Même à la plage, là, genre là, c'est pas juste un cercle d'amis de comme 5 amis, là, comme des milliers de personnes, là. Puis il y a personne qui avait ça. Ou à moins que ma belle-mère m'a déjà dit ça. J'avais comme eu un grand breakdown à cause de ça avant de commencer mes traitements puis je trouvais ça difficile. Chaque été, c'était comme un gros struggle mental. J'étais toujours, à chaque fois que je m'en vais au spa ou que je m'en vais à la plage, y'a personne que ça. Tout le monde a des belles fesses parfaites, un contour de bikini sans boutons. C'est tout le temps. Ils ont toutes des peaux de bébé, là, les femmes. Elle m'a dit oui, mais peut-être que eux qui ont le même problème que toi, ils se cachent. Fait qu'ils porteraient des shorts, ils iraient juste pas à la plage, ils iraient juste pas à la piscine, ils porteraient des jupes, ils porteraient un petit cover-up, quelque chose, parce qu'ils sont complexés de ça. Fait que c'est pour ça aussi que mettons je les verrais pas. Mais ouais, j'ai toujours été fascinée par la peau des autres femmes, que j'étais comme mon dieu, y a pas de défaut là-dessus. Bref. Finalement, j'en parle vraiment beaucoup, mais je pense que ça peut aider certaines, là. Si vous êtes complexée, vous êtes pas toute seule, puis c'est tellement facile de se comparer quand t'es complexée de quelque chose. En tout cas, gros talk assis ici, j'ai même pas fini. Parce que ce que je voulais dire aussi, c'est qu'après mon rendez-vous de laser, on est allé au Canadian Tire, puis je voulais vous montrer les petites choses qu'on a trouvées. Il y a une affaire, je suis tellement, mais tellement contente. En fait, c'est mon cadeau de fête que j'ai reçu à l'avance. Je vais vous le montrer. Checker! Ça faisait plein de fois que je voyais ça, puis j'étais comme voyons, là, c'est un peu stupide là, faire pousser des herbes, là, mais il semble que c'est pas compliqué. Puis pour en avoir fait l'été, je sais pas si c'est dans l'air dans l'appartement ici ou quelque chose. Mais mettons ma belle-mère, là, toutes ces herbes là, elle les amène dehors tout l'été, puis elle devient avoir des gros pots d'herbes. Puis ça finit plus de bien aller puis de pousser. Puis ici, on a tellement de la difficulté, puis on peut pas le laisser dehors non plus, puisqu'on a pas mal de marmottes, d'écureuils, on vient toutes manger nos herbes. Fait faut que ça reste en dedans. Puis je sais pas, ils ont vraiment la difficulté. Puis là, j'ai vu ma tante et mon oncle avoir ça dans leur cuisine. Les herbes étaient absolument magnifiques en plein hiver. Puis ils disent qu'ils adorent ça. Genre, c'est vraiment un de leurs gros coups de cœur, un achat très bien investi. C'est pas les genres de personnes aussi à acheter vraiment n'importe quoi, là. Ça, je sais qu'ils ont pensé vraiment deux fois avant de l'acheter. Puis ils regrettent pas du tout. Fait que juste qu'ils aient ça, moi, j'étais vendue tout de suite. Fait que j'ai racheté le même modèle en rabais au Canadian Tire. En fait, je me suis fait affaire. Merci, mamie. Donc, juste pour vous expliquer vite vite, là, tu vas remplir d'eau là-dedans. T'as comme plein de petits cups comme ça, avec les graines à l'intérieur. Tu viens mettre ça dans la machine, avec le petit couvercle. Une fois que tu vois une petite tige sortir, ben là, tu vas enlever le couvercle, puis là, toute la plante va pousser comme ça. Puis là, tu vas avoir des belles herbes fraîches, puis la lumière aussi, c'est tout réglé selon ce que la plante a besoin comme lumière. La seule chose que t'as à faire, c'est quand ça clignote, qu'il manque de l'eau, tu rajoutes de l'eau. Pour les herbes. À longueur d'année, j'adore ça. Genre, cuisiner avec des herbes fraîches, c'est la meilleure affaire au monde. On pourrait l'ouvrir tantôt, là. Il me reste comme deux autres petits trucs à vous montrer, là. Puis on pourrait ouvrir ça ensemble, mettre l'eau à l'intérieur, puis tout mettre les petits cups. Pouvoir continuer de vous donner des petits updates dans mes vlogs, vous montrer où est-ce que c'est rendu, comment ça a poussé, combien ça a pris de temps. C'est ça, je suis excitée. Fait qu'on va tout la setuper tantôt. L'autre chose que j'ai acheté, c'est des petits cups comme ça. J'en ai acheté deux de chaque de différentes grandeurs, avec des trous à l'intérieur. Fait que ça, c'est le conseil que vous m'avez donné le plus, de pas mettre les plantes directement dans le pot, de vraiment avoir plus un cache-pot, de prendre ça puis vraiment d'arroser les plantes à la base, fait qu'ils prennent l'eau qu'ils ont besoin. Et la dernière chose, c'est ça ici, c'est un nettoyant pour le stainless steel. Ça aussi, je veux vraiment l'utiliser puis faire comme ma first impression après avoir tout setupé le petit Aero Garden. Mais c'est ça, ça c'est le nettoyant que vous m'avez le plus conseillé. J'avais fait un petit bundle là, sur Instagram. Fait qu'on va pouvoir le tester ensemble puis le nettoyer. Ok, là c'est assez. Je suis tannée d'être assise sur mon tapis dans le salon. On va aller installer ça! Ok. Je viens de faire la place sur mon comptoir. Comme ça, je vais pouvoir l'ouvrir puis la placer. Ça
ça ressemble à ça à l'intérieur. Je vais remplir d'eau là, jusqu'à où est-ce qu'il y a le petit piton ici. Là. Puis là, je vais remettre le petit couvercle. Fait que toutes les petits cups ressemblent à ça. Puis il y a déjà toutes les petites graines dedans. Fait que je suis tellement excitée. Je vais tout placer ça dans les petits trous. Puis après, je vais mettre les petits couvercles comme ça. Elle a l'air d'être ça, avec ça, que je vais devoir baisser, là. C'est tellement nice. J'oubliais, mais là, vu que je viens d'y mettre, ça va être correct, là. Mais je vais devoir ajouter environ 4 ml d'engrais à l'eau. Comme ça, leur croissance va être vraiment meilleure. Puis ça, ça va être aux 2 semaines que je vais faire ça. Je vais l'ajouter ici, ça s'ouvre. Oui! Living their best life. Ce qui est nice, c'est que ça va allumer quand tu vas devoir ajouter de l'engrais ou ajouter de l'eau. Puis sinon, tu peux faire on-off avec la lumière ici. Bright. Ooh. Alors voilà, mon petit cadeau. Ok guys, it's time to try this bad boy. J'ai mon petit chiffon microfibre ici. J'ai vraiment des high expectations sur ce produit-là parce que vous avez été vraiment plusieurs à me le conseiller. Ok, let's go. On essaie ça. Ok, la batterie qui branche dans le mur de ma caméra là, est vraiment de la merde. Je suis écœurée, je veux vraiment en commander une. Parce que là, je viens de perdre tout mon footage de ma first impression. Bon, on va l'essayer, ok? Je vais le beurrer avec mes mains. Je vais en remettre un peu, parce que là, je pense que j'en ai mis trop. Je vais prendre le linge qui est comme le produit dessus. Je vais tout venir l'étendre partout. C'est vraiment à cette étape-là que je viens comme nettoyer mon frigo. Puis là, je vais prendre mon petit linge sec cette fois-ci. Je vais venir enlever l'excès. C'est comme la chose la plus magique ever. J'ai jamais eu un frigo aussi shiny. C'est tellement nice, là. Ça a pas de sens, là. J'ai jamais été aussi lisse. Guys, ce produit-là est littéralement révolutionnaire. Vous êtes les best. Merci pour la suggestion. J'aime tellement ça quand vous suggérez des produits que vous aimez vraiment. Là. Parce qu'après moi, je fais des découvertes, puis je suis comme waouh! Plus ça, comme je vous dis, ça n'a pas enregistré, mais j'ai tout fait le bas aussi, mon frigo, puis je suis comme gorgeous. Hey, je viens de penser qu'il reste encore mon four, mon micro-ondes. Fait que je peux vous montrer un petit avant-après. Je peux vous dire que c'est vraiment fun de cleaner quand t'as un produit qui fonctionne. Et puis là, je vais essayer de le mettre directement dans le chiffon. C'est ça qu'il disait sur la bouteille. Lui aussi, il est vraiment sale. Ok, puis là, je vais l'essuyer. So clean and sparkly! Ah! Ok, on se retrouve quelques heures plus tard. Je viens de prendre une pause pour faire un petit peu de montage du vlog que vous regardez présentement. Là, présentement, il y a vraiment une grosse tempête dehors. Là. Ça arrête pas de neiger, puis il a l'air à venter pas mal. Je vois ma voisine déblayer son char. Ça a l'air d'être toute qu'une job. Fait que là, le fait que j'ai fait pas mal de montage, ben on se retrouve vers 4h30 présentement. Puis j'ai un souper chez mes parents vers 5h30, puis je dois me changer. Mais au moins, tout mon make-up est fait, mes cheveux sont beaux. Fait qu'il me reste juste à trouver un outfit. Mais c'est ça, j'amènerai pas ma caméra au souper de famille parce que souvent j'aime ça profiter du moment à 100% aussi. Donc j'aime mieux comme pas filmer puis travailler en même temps, d'avoir un moment en famille, mettons. Fait que je vais arrêter de vlogger aujourd'hui puis on va se revoir demain. Je sais pas trop ce que je vais filmer demain encore. Peut-être que je vais faire comme un petit FaceTime avec vous autres parce que je suis vraiment due. Là en plus, j'attendais d'avoir mon rendez-vous de laser. Puis là, je l'ai eu ce matin. Donc là, je peux me faire un petit fake tan. Je m'en fais tout le temps un pour un peu me booster puis me donner de la couleur. Là. Puis on dirait qu'à chaque fois, je me feel. Je me trouve belle juste parce que comme ma peau est plus uniforme, tu vois moins les petits défauts, genre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Moi, je suis complexée avec la texture de ma peau puis de quoi elle a l'air. Fait que, tu sais, quand je viens comme toute uniformisée, là, ça me donne vraiment un boost de confiance. Fait que c'est ça. J'aimerais vraiment ça faire ça ce soir. Je vais aller me préparer puis on se revoit soit ce soir pour faire le fake tan ou si je reviens trop tard et tout, là, ça va aller à demain. Hello!
Hello, bon matin, on se retrouve habillée pareil comme hier, ça me tentait pas de me forcer ce matin, j'ai juste remis le linge mou que j'avais mis hier. Puis là finalement hier notre souper ça a été vraiment formidable, c'était vraiment vraiment le fun. Même qu'au lieu que ça soit seulement avec mes parents, mon chum était là, en plus les parents de mon chum étaient là, fait qu'on a eu vraiment une super belle soirée. Puis là vu qu'on s'est couché tard, ben, on a pris ça quand même relax ce matin. Puis obviously vu qu'on est revenu vraiment tard, finalement j'ai pas fait mon fake tan, puis ça va aller plus à cette semaine. Vu qu'il y a quelques trucs qui ont été repoussés aussi, que je veux prendre le temps de filmer. Je veux vraiment avoir comme mon fake tan le plus beau possible. C'est ça, aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire, mais là, on va aller au HomeSense. Puis je suis vraiment contente. J'ai comme pensé toute la semaine à vouloir aller là-bas. On va aller magasiner des vêtements pour mon chum, vu qu'il a commencé ses stages. Il a envie d'avoir comme des beaux petits outfits, fait qu'on va aller magasiner ça. Puis j'aimerais ça aller voir comme les petites décos de printemps puis tout, aller faire un petit tour. Enfin, je vais vous amener avec moi, je vais filmer un petit peu, puis après je vous ferai comme un petit haul genre de ce que j'ai trouvé. Let's go! Je vais me changer avant. Je pense que je vais pas rester comme ça, je vais me changer. Ok, dans le dernier vlog, je vous ai fait un petit haul de mes trouvailles au H&M. Puis je porte justement en ce moment la longue doudoune. En ce moment, j'ai encore mes pantoufles. Mais je voulais vraiment vous montrer comme le fit, de quoi ça avait l'air avec mon flore bleu. J'adore. Puis le fait aussi que ce soit super long, ben ça coupe du froid comme instantanément. Love it! Fait qu'on s'en va magasiner! Hello, je viens de revenir de faire nos commissions. J'ai pas beaucoup filmé finalement au HomeSense parce qu'on dirait qu'il y avait beaucoup de monde, puis j'étais vraiment concentrée puis trop excitée à voir toutes les nouvelles choses. Fait que j'ai pas vraiment pensé sortir mon sel pour filmer comme à chaque fois que je trouvais des belles affaires. J'ai vraiment un gros sac de trucs du HomeSense. J'ai surtout trouvé du Spring Decor, puis je suis vraiment vraiment contente. C'est tellement beau. Puis c'est full plein de couleurs, puis j'ai trouvé des trucs pastels, puis j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Mais je pense que je vais pas vous le montrer dans le vlog d'aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire comme une vidéo régulière sous forme de haul puis de styling vidéo, parce que je vous montre toutes mes nouvelles décorations pour spring. Puis après je fais la transition de hiver à printemps, puis je vous montre un peu comment je décore mon appartement. Fait que vous me direz en commentaire si c'est quelque chose que vous aimeriez là. Je pense que ça peut être intéressant. En fait, je suis déjà minée dans ma tête que c'est ça que je vais faire là. Puis ça, je suis comme toute excitée. Je peux peut-être regarder quand même dans le sac là si j'ai des trucs comme plus réguliers, mais je pense que c'était pas mal toutes des belles décorations pour le printemps. Ok, fait que je vais leur checker dans mon petit sac de trucs que j'ai acheté au HomeSense. Alors j'ai acheté deux nouvelles serviettes pour la salle de bain, puis ceux-là je vais vraiment les utiliser pour quand je vais faire le makeover, je veux qu'ils restent belles. Puis aussi ça va être les serviettes que je vais sortir lorsque, mettons, on va recevoir. Fait que c'est des petites serviettes lignées comme ça. J'ai celle-là comme serviette à main, comme ça, avec comme des petits flaflas de même là. Puis j'ai acheté la plus grande pour mettre vraiment sur le rack à serviettes comme ça. Par-dessus, probablement une serviette grise vraiment comme basic. Fait que ça va ajouter de la texture, le fait que ça soit rayé aussi au lieu d'être tout uni. Sinon, j'ai acheté un petit sketchbook. J'en avais un qui me restait seulement deux feuilles pour utiliser. Fait que là, j'en ai un nouveau avec plein de pages blanches. Sinon, d'ailleurs, c'est la fête à ma soeur aujourd'hui, mais je la verrai pas avant le week-end prochain. Fait que j'ai acheté un beau petit sac cadeau comme ça. Ils sont tellement beaux, les petits sacs cadeaux. Ils sont vraiment cute, full festif, mais ce que j'aime le plus, c'est leurs cartes d'anniversaire ou de fête durant l'année, comme Noël, Saint-Valentin, whatever. Ils sont tellement belles, leurs cartes, là, avec les petits ballons. C'est tellement cute, la petite enveloppe comme gold. Fait que je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ça. Je vais pouvoir emballer les cadeaux à ma soeur, ça va être vraiment cute. C'est ça, je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. Je sais vraiment pas s'il est assez long ou si même il est trop long. Je verrai rendu au montage, mais j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit thumbs up, puis également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram, Laura Glamour avec 2 M. Je parle vraiment quotidiennement en stories. Et sur ce, j'espère vous voir dans une prochaine vidéo. Bye bye!